Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer un tuto comment réaliser ce petit donut qui est ici. Donc, pour ceci, il vous faudra, laissez-moi réfléchir, 9 élastiques de la couleur du glaçage et 19 élastiques pour faire la pâte. Donc j'espère que la vidéo vous plaira. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like. Donc la vidéo va commencer. Donc vous allez commencer par les élastiques de glaçage. Vous allez en prendre un que vous allez positionner comme ceci. En diagonale vers la gauche, tout droit et en diagonale vers la droite en partant de la gauche. Donc ça va donner ceci. Je sais, j'ai mes boîtes de loup à côté. Ensuite, vous allez positionner, vous allez faire pareil du côté droit, donc diagonale vers la droite en partant du centre. Tout droit, je me suis trompée sur les quantités, désolée. Et en diagonale vers la gauche, je me suis trompée sur les quantités, je crois. Bon, il en faut que 8, donc il en faudra 18. 17 sur la couleur, bon bref, laissez tomber. Si vous en avez plus que 20 des élastiques, ça suffit. Voilà, on va faire ça comme ça. Vous allez prendre deux élastiques orange, je ne sais pas si vous voyez bien sur la caméra, que vous allez mettre en partant du centre vers la en diagonale en partant du centre pour aller vers la gauche, tout droit. En fait, vous allez faire le même parcours qu'avant, avec en toujours prenant deux élastiques brun ou orange, toujours deux élastiques, vous allez faire le même parcours que vous avez fait avec le glaçage. Voilà. Il est vraiment très simple à faire, il est pas mal ce petit donut. Donc, nous allons continuer. Vous allez partir du centre partant en diagonale vers la droite. J'ai pas assez sorti d'élastiques, donc il vous faudra plus d'élastiques, je pense que ce que j'ai dit, parce que là, j'en ai pas, c'est beaucoup d'élastiques. Comme ceci, et vous allez poser de nouveau tout droit, et en diagonale vers la gauche. Donc c'est déjà fini, la préparation, c'est vraiment très très simple à faire. Je vous dis ça, je vous dis rien. Comme ceci. Vous allez à présent tourner votre planche. Un élastique orange pour faire le célèbre bouchon ou nœud. Comme ceci. Et vous allez sortir votre crochet. Je vais juste un peu zoomer si vous ne voyez pas bien. Comme ça. Je pense que vous verrez mieux. Hein. Voilà. Donc on va faire ça comme ça. Vous allez enlever votre capuchon comme d'habitude. Hein. Prendre votre élastique et le mettre vers la gauche. Le premier, hein, donc la pâte. Et vous allez mettre de là où il vient. Donc ça va vous donner ceci. Je pense que zoom, c'est un peu compliqué. Donc ça vous donne ceci ici. Donc vous avez en dessous l'élastique du glaçage. Et là vous avez votre élastique. Je pense que vous ne voyez pas très bien. Je pense que je vais arrêter le zoomage. Non, c'est mieux avec le zoomage. Comme ça. J'ai le meilleur angle. C'est parfait. Donc nous sommes là. On va bouger un peu la caméra. Nous sommes ici. Vous allez faire pareil partout avec la pâte. Voilà, donc ça va vous donner ceci. Et bien sûr, sans oublier le second côté, vous allez faire le côté droit. J'espère juste qu'on ne voit pas ma tête. La vidéo.
après avoir fait ça, oui, bah, vous allez prendre vos élastiques de glaçage et vous allez faire pareil. Vous enlevez et vous mettez de la rivière au-dessus, en fait, des élastiques de la pâte. Tout simplement, c'est tout bête. Vous allez juste les faire au-dessus. Donc voilà ce que ça donne, non? Tout simplement. Je sais pas si vous voyez bien, vu qu'on a la planche qui est... Voilà. Bon, bref. Je pense que vous voyez à peu près. Donc ça vous donne ceci. Et on va faire pareil, sans doubler de l'autre côté. Donc pareil de l'autre côté. Vous connaissez la chanson. Connaissez donc la chanson et voilà. Maintenant vous allez prendre soit un élastique de la même couleur du glaçage. Moi je prends un élastique de la même couleur que la pâte. Vous prenez, vous enlevez tout comme la dernière fois. Vous prenez. Pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, hein, bien sûr, j'ai oublié de préciser. N'oubliez pas de vous abonner et de faire de la pub, hein, parce que voilà, n'oubliez donc pas de vous abonner. Et si les vidéos vous ont plu, j'en ai fait d'autres pour faire une glace noire, je sais pas où vous voyez, bref, une glace noire, vous pouvez la retrouver donc en cherchant Louloum. J'ai aussi la glace, enfin la glace, j'ai aussi fait le cookie, non je crois que je l'ai pas fait, l'Oreo, oui l'Oreo, et maintenant le cookie je vais peut-être le faire, hop, comme ceci. Donc là je sais c'est un peu bizarre, là il y a les deux élastiques qui ressortent souvent, voilà ce que ça vous donne, je vais dézoomer, parce que là ça doit être un peu... très devant la caméra. Donc ça vous donne votre petit donut. N'oubliez donc pas de vous abonner à ma chaîne. On se retrouve sur une nouvelle vidéo. À bientôt. Ciao.